choisit la vie. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Chacun de nous porte au fond de lui un vrai désir de justice sociale, humaine et humanitaire. Tu l'as peut-être exprimé d'une façon maladroite, agressive, quand ton côté rebelle se rebiffait, combattait des situations qui te paraissaient iniques, en étant parfois injuste à ton tour. Tu t'es peut-être aussi insurgé contre des inégalités en militant, en offrant une partie de ta vie pour une cause qui t'a amené à te dévouer sans compter. Regardons des saints comme Saint François-Xavier, Mère Teresa, Jerzy Popielecko, le cardinal Van Thuan, qui ont voulu s'insurger contre des inégalités. Ce désir de justice sera pleinement comblé dans le ciel. Point d'idée de mérite, de vengeance que l'on exprimait dans le passé, sous la forme de formules comme « Tout se paie un jour. J'espère qu'il est en enfer. » Quelle tristesse d'entendre cela. La vraie justice n'est-elle pas dans le pardon, le don donné par-dessus, la compassion, vivre la passion avec? Le cœur de Dieu n'est-il pas ouvert à tous, même aux ouvriers de la toute dernière heure? Alors heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car Dieu les rassasie ici et maintenant et pour l'éternité.